Salam alaikum Azoul, bonsoir. On connaît dans l'histoire le cas de peuples entiers qui ploient sous la férule de leur despote, sans geindre, sans pousser le moindre petit soupir, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que tout mouvement d'humeur leur vaudrait une atroce répression. C'est tout à fait compréhensible. Donc, cela a été le cas, pour l'exemple, sous Staline, Pol Pot, Saddam Hussein, Kim Jong-un, Bachar el-Assad et tant d'autres. En Algérie, même si nous sommes en mafiocratie, même si ce régime a montré qu'il était capable de tuer ou de faire tuer un quart de million de ses citoyens plutôt que de quitter le pouvoir, même si ce régime contrôle de façon très serré tout ce qui se passe dans le pays, même s'il est arrivé à museler l'opposition, à la corrompre, même s'il est parvenu à rabaisser l'université au 36e dessous, même s'il a réduit au silence toute voix qui le conteste, il est toutefois incompréhensible, connaissant sa nature, qu'il ait pu anesthésier ainsi toute une société, la rendre insensible à son propre sort, voire même à l'avenir de ses propres enfants, et faire croire à tout le monde, y compris à lui-même, qu'il est dans un état de droit, que c'est Monsieur le Président Bouteflika qui est aux affaires, que tout va bien, que nous avons des institutions, et tout, et tout. Et c'est cela, aujourd'hui, qui distingue le plus la société algérienne. Rien. Ni n'importe quel désastre, ni n'importe quel scandale ne l'a fait réagir de la plus petite façon, comme si elle était morte. Morte et enterrée. Rien ne l'a fait plus réagir. Ni la maladie du président, pourtant tellement évidente, ni la prise en otage du Conseil constitutionnel pour empêcher toute procédure d'empêchement, ni la reconduction du grand invalide à un quatrième mandat alors qu'il n'avait même pas pu conduire sa propre campagne électorale, ni le limogeage d'un Premier ministre parce qu'il a juste osé remettre à sa place un parvenu, mais néanmoins copain, du frère du président. Ni le scandale Chakib Khalil, ni celui de Bjaoui, ni celui à répétition de Sonatrach, ni celui de la BRC, ni la récente affaire de cocaïne, ni le limogeage des généraux les plus importants du pays, de l'armée, pour des raisons crapuleuses, ni le limogeage du DGSN, ni l'actuelle affaire Bouhaja, le président d'APN, que les décideurs cherchent à faire démissionner en violation de leur propre constitution. Ni les clowneries de Ould Abbas, ni les hallucinantes affaires de Chita. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et des meilleurs. Je pourrais énumérer ainsi, sans exagérer, des centaines de gros scandales dont un seul aurait pu entraîner la chute du gouvernement dans n'importe quel pays moyennement honorable. Des centaines de cas susceptibles de battre les records mondiaux en termes de turpitude. Mais c'est comme si de rien n'était. Un chef d'État étranger est venu à Alger juste pour nous jurer, pour nous parler de la lacrité de Bouteflika, nous jurer qu'il était l'un des chefs d'État les plus actifs, les plus intelligents qu'il ait rencontrés. Et il ne s'est rien passé. Un autre chef d'État du même pays nous a affirmé qu'il avait parlé au téléphone avec Bouteflika pendant 2 heures, je crois. Et rien ne s'est passé. Ould Abbas nous a affirmé que Bouteflika était le lion de la savane et qu'il avait une vision à 360 degrés. Et rien ne s'est passé. Des personnalités en tout genre qui sont autour du sérail
viennent nous dire qu'ils sont fiers de faire de la chita à Bouteflika. Et rien ne se passe. Pourtant, tous les Algériens savent que Bouteflika n'est plus qu'un vieil invalide, incapable de se rappeler son propre nom, qu'il ne connaît même plus la table de multiplication de deux. Mais personne ne bronche, encore moins la presse, encore moins la pseudo-opposition, encore moins l'intelligentsia. Et personne ne bronche, même quand le pays menace ruine, même s'il est emporté par les eaux, même si d'éminents experts viennent nous affirmer que la faim nous guette, même quand le Premier ministre lui-même vient nous dire que le mot c'est le haqq l'azam et que s'il ne recourait à la planche à billets, il n'aurait même plus de quoi payer les députés et encore moins les fonctionnaires. Et c'est cela la grande interrogation. Pourquoi cette léthargie aujourd'hui? El Watan. Le ministère des Affaires étrangères gèle les activités diplomatiques parlementaires. La crise s'installe. Algérie part. La crise s'aggrave au sein du Parlement algérien, les activités diplomatiques bloquées par Saïd Saad. Maghreb émergent, bras de fer institutionnel sur fond de succession. Pourquoi cette léthargie? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le plaisir donc de recevoir Farhat Aitali, économiste depuis Alger, Karim Tabou, président de l'UDS depuis Alger aussi, Mezian Mriane, syndicaliste depuis Alger aussi. Farhat Aitali, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir, merci Jamal. Bonsoir. Alors, Farhat Aitali, donc je crois que nous sommes l'un des pays qui se distingue le plus par les scandales, les turpitudes, les affaires extraordinaires dans le plus mauvais sens qui soit, les coups d'État qui ne se disent pas, les limogeages, les purges, les nominations par piston, les déprédations, la corruption, la chita et tout et tout. Et pourtant, la société algérienne ne réagit pas de la plus petite façon. Ni la société d'une manière générale, ni la société dite civile. À votre avis, Farhat Aitali, faut-il désespérer? Non, pas du tout. De toute façon, j'avais écrit une fois que des scandales, quand ils se succèdent, on ne peut plus parler de scandale. Parce qu'un scandale, c'est quelque chose d'exceptionnel qui peut arriver dans la vie d'une famille ou d'une collectivité et qui l'empêche pratiquement de dormir pour un certain nombre d'années. Mais quand ça devient pratiquement cyclique et quasi quotidien, on s'habitue, donc on ne se scandalise plus. À partir de là, on peut dire que la société algérienne a appris à ne plus se scandaliser. Ce serait peut-être même scandaleux qu'il n'y ait pas un scandale pendant quelques mois. Mais si on parle globalement de la société, elle a appris quand même à avoir un minimum de réalisme. Elle sait que face à ce genre de système, qui n'est pas politique dans les faits, qui n'a pratiquement ni idéologie, ni conviction politique précise, ni cap politique, on ne peut pas lutter avec des moyens politiques. Et c'est pratiquement du banditisme dans l'esprit de certains clans et de certains personnages. Donc à partir de là, le choix, il est vite fait. C'est d'entrer en conflit ou d'attendre que sous le poids pratiquement justement de ces fameux scandales, de turpitudes du système, des excès, qu'ils soient de langage ou de gestion et de gouvernance, l'édifice ne s'écroule de lui-même. Qu'il puisse y avoir éventuellement un moyen de voir les choses plus clairement. À s'aventurer dans une action politique qui n'a pas de finalité, premièrement, qui n'a pas de programme, qui n'a pas de leadership précis, et en plus, qui n'a pas les moyens d'affronter le système, qui n'est pas politique par défaut, avec les mêmes moyens qui se proposent. Farhat Aitali, excusez-moi de vous interrompre, il y a un souci dans la communication. Je reviens à vous dans un moment, nous allons voir avec la régie. On vous entendait bien et puis d'un coup, ça s'est dégradé. Karim Tabou, merci d'être des nôtres.
Bonsoir, Karim. Alors, cette absence de réaction, parfois même cette connivence, hein, quand nous parlons de la presse, par exemple, on ne peut pas éviter de parler de connivence. Quand on parle de l'université, des universitaires, des intellectuels, on ne peut pas s'empêcher de parler de passivité. Quand on parle de partis politiques qui sont dans des institutions dont tout le monde sait que ce ne sont que des façades en trompe-l'œil, on ne peut pas ne pas parler de complicité. Alors, en plus d'un silence sidéral de toute la société, où chacun s'affaire à régler ses propres petits problèmes, où le dicton national est d'ailleurs « Heddi Babdari », ma limite s'arrête au seuil de ma porte. Karim Tabo, à votre avis, à quoi c'est dû cela et faut-il en désespérer ? Oui et non à la fois. Je pense que nous devons changer de lexique. Quand on parle de ce pays, de notre pays, nous devons emprunter moins de mots de la langue française et de la science d'une manière générale, parce que ce qui nous arrive est parfois incompatible avec la science, avec la logique, avec les règles qu'on a connues des sciences politiques. Mais toutefois, je pense qu'il faut toujours chercher le point de départ, le cœur, le centre de ce qui nous arrive. Je pense, et j'ai eu l'occasion à le dire dans l'une de nos émissions sur la dégradation du discours politique, j'avais insisté sur le fait, et je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent me contrarier sur ça, que l'une des fonctions essentielles de la violence, surtout une violence qui dure, c'est le désarmement moral, le désarmement mental de la population, donc de son élite. On est bien d'accord que la violence, la logique de la violence, a sécrété par elle-même des attitudes de peur et des attitudes qui vont avec des logiques de violence. Quand on parle de l'élite et quand on parle de la société civile, je pense que c'est vrai, quand on ouvre son dictionnaire, on a une définition de la société civile et on essaye de chercher par quel concept on peut nous arrimer à l'Occident, on peut ressembler aux autres. Or, la réalité est que dans ce pays, il n'y a pas de classe politique, il n'y a pas de société civile, il y a un pouvoir violent, brutal, qui refuse l'exercice de la citoyenneté, l'exercice du débat, l'exercice de la politique, de tout en fait. Ce pouvoir, si je peux vous donner une image simplifiée, je vais être tenté par un peu d'humour. Au fait, ce pouvoir s'est doté d'un immense aspirateur. Il l'a mis en face de la société et en même moment, il fragilise la société et à chaque fois qu'un élément il est fragilisé, il est aspiré par l'aspirateur. C'est valable pour les intellectuels. Une partie importante de l'élite algérienne est aspirée par le pouvoir, une classe politique aspirée par le pouvoir, un mouvement social aspiré par le pouvoir. Les procédés, nous les connaissons. Ils sont violents, mais la violence, elle a plusieurs formes. La corruption est une violence, le chantage social est une violence, le chantage en tout genre est une violence. Donc cette machine à fonctionner par la violence a fini par désarmer une société qui s'indigne plus face à la violence multiforme. Dans ce pays, on a tué un président de la République en direct à la télévision, on a puni un peuple pendant 10 ans pour avoir tenter de faire la démocratie pour avoir revendiqué la liberté. On a pillé ce pays à une échelle industrielle. On a organisé des élections. Tout le monde sait que ce sont de fausses élections, de fausses représentations. Et ça continue. Oui, mais justement, Karim Tabou, on a aspiré les richesses de ce pays. On a laminé son économie. On a corrompu ses élites. On a acheté ces partis politiques, son soi-disant opposition, et il n'y a pas de réaction. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi il n'y a pas de réaction. Pourquoi il y a ce que vous êtes en train de qualifier de désarmement moral ?
En fait, la réaction est liée, mais elle n'est pas bien élaborée, elle n'est pas bien structurée. Je ne suis pas médecin, mais je suis tenté de dire que l'Algérie est un pays épileptique. Elle fait une convulsion, elle dépense beaucoup d'énergie, et après convulsion et dépense d'énergie, c'est le sommeil profond. Si vous voyez cycliquement, on a eu 80, on a eu 88, on a eu 91, on a eu 2001, on aura encore d'autres événements. Malheureusement, le pouvoir a développé dans la logique de la violence un art particulier par lequel il a mis d'abord tout un pays sous le diktat de la violence, sous la menace permanente et dans la précarité absolue. Et puis le pouvoir a su comment disperser tout ça et organiser une série infinie de partiels. Il traite avec les syndicats en partiel, il traite avec les partis politiques en partiel, il traite les stades en partiel, il traite l'université en partiel. Il a tout fait pour ne pas laisser les gens sentir le besoin de se rencontrer, de se parler. Finalement, ce pays, une fois je l'ai dit dans une émission d'une chaîne privée algérienne, j'ai dit ce pays est devenu la plus grande salle d'attente au monde. Et restez avec nous, Karim Tabou. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Mziane Marianne, merci d'être avec nous. Pour l'invitation. Merci. Alors, Mziane Marianne, cette situation que décrivent très bien, et chacun à sa façon, Karim Tabou, Farhat Aitali, est-ce qu'elle vient de loin? Est-ce qu'elle vient seulement du début de l'indépendance ou beaucoup plus loin? Est-ce qu'elle remonte à des âges immémoriaux? À votre avis, ça vient de quoi, cette léthargie, cette passivité, cette sidération de la société? Merci. Vous savez, il y a plusieurs facteurs d'analyse qui font qu'un peuple ne réagit pas. Soit une dictature violente, comme vous l'avez dit au début, soit le peuple a ses besoins qui sont tous satisfaits et il ne réagit pas. Je vais essayer de parler comment on est leurré que nos besoins, effectivement, sont satisfaits. Et là, permettez-moi, je vais me référer à une étude qui a été faite qu'on appelle « Pyramide de Maslow ». Oui. Il a élaboré une étude sur les besoins d'un peuple. Il les a schématisés par une pyramide de 5 étages, qu'on appelle d'ailleurs pyramide de Maslow. Mmh. Le premier palier, c'est les besoins physiologiques. Manger, boire, se reproduire, dormir. Deuxième palier, c'est la sécurité. Troisième palier, c'est l'appartenance et affection. Quatrième palier, estime de soi. Cinquième palier, réalisation de soi. Le génie du régime politique a fait de sorte de faire croire à l'Algérien que ses besoins sont satisfaits, alors qu'il est en train de nous leurrer. On octroie un salaire de misère qui ne répond pas aux besoins de la famille, mais chaque mois vous avez votre salaire. La scolarité gratuite. Mais en réalité, le budget alloué ne suffit qu'à la prise en charge de 3 millions d'élèves et on l'utilise pour la prise en charge de 9 millions d'élèves. La gratuité des soins, si on veut en parler, qui fait partie de la pyramide dont je parlais de Maslow. Récemment, un bébé est mort par manque de pompe d'oxygène. Il y a un discours de langue de bois qui est utilisé. Lorsqu'on entend « on est mieux que la Suède », là c'est un tapage médiatique sur le cerveau des Algériens. « On est mieux que tous les pays arabes », c'est le discours qu'on a entendu récemment. Donc ils savent utiliser la langue de bois afin de leurrer le peuple. Leurs discours sont dirigés avec un tapage médiatique afin de donner l'illusion que les besoins fondamentaux, ça y est, sont satisfaits ou bien ils vont s'améliorer. Oui, mais Mziane Marianne. Excusez-moi, je termine mon analyse. Oui, je vous en prie. Le système politique a fait de sorte que l'on soit des égarés éternels sans qu'on se rende compte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'itinéraire bien déterminé.
on nous dit pas win rana, là on le sait pas, je parle du peuple. Win rana, win les hommes waslu. Et lorsqu'on n'a pas d'itinéraire, on ne peut pas s'égarer. On a habitué le citoyen, à des échecs dans la gestion économique, avec un tapage médiatique, parce qu'on lui a jamais présenté un objectif économique clair. Et lorsqu'on n'a pas d'objectif bien déterminé, on ne peut pas dire qu'on a échoué. On n'échoue jamais lorsqu'il n'y a pas d'objectif. Voilà la stratégie utilisée. Oui, mais Mziane Marianne, j'entends bien. S'il y avait une visibilité politique, économique, peut-être que le citoyen va demander des comptes. Oui, je vous en prie. J'entends bien ce que vous dites. J'apprécie énormément. Mais les gens savent qu'il n'en est rien, que leurs besoins ne sont pas satisfaits, qu'ils ne sont pas en sécurité, qu'ils ne sont pas satisfaits, qu'ils n'ont pas l'estime d'eux-mêmes, qu'ils ne peuvent pas se réaliser. Ils le savent très bien que tout ça, c'est de la poudre aux yeux, qu'on est en train d'épuiser l'héritage de leur descendance, que leurs enfants demain vont se retrouver en enfer dans un pays qui a été vidé complètement de toutes ses richesses, de toute sa substance, voire même de ses substances vives, de ses valeurs. Les gens le savent, et a fortiori, les 10 millions de personnes qui vivent en deçà du seuil de pauvreté, a fortiori, les 60 à 70% de jeunes de ce pays qui tous, ou presque tous, ne rêvent que de quitter ce pays qui est devenu un enfer pour eux. Les gens savent que leurs responsables sont des voleurs, que c'est de la canaille. Je m'excuse d'être aussi excessif, mais ce sont les mots appropriés à la situation. Les gens le savent, et à plus forte raison, les élites, ces universitaires, ces journalistes qui font le jeu du régime, qui viennent aujourd'hui vous dire, toute la presse, dans son unanimité, vient vous raconter que le président Bouteflika a décidé à limoger, à réintégrer, a fait une lettre, a téléphoné à Macron, alors qu'ils savent que c'est faux. Et donc, le problème n'est pas seulement dans l'illusion d'avoir satisfait la population, de l'avoir réduite au silence parce qu'elle s'estime satisfaite, mais j'ai l'impression que c'est autre chose que ça. Autre chose que ça, il faut signaler aussi la dispersion des forces politiques et sociales. S'il y a une convergence des politiques, automatiquement le social peut converger et faire une force capable de renverser la situation, chose qui n'existe pas. Il y a énormément de facteurs, il faut les signaler, que le peuple, avec la décennie noire aussi, qui a joué un rôle prépondérant, avec la situation de la Syrie, de la Libye, fait de telle sorte créer une peur au sein du peuple pour réagir. Vous savez, je vais vous dire une chose que j'ai constatée à un certain moment. J'étais dans une rue pleine de Syriens. Quelle est la réaction de mon fils qui était dans la voiture ? Papa, si par hasard il y aura quelque chose, est-ce qu'on sera comme ça ? Je me posais la question, est-ce que c'est pas fait sciemment tous ces mendiants étrangers qui sont dans la rue pour frapper encore l'imagination des Algériens pour ne pas bouger le petit doigt ? Donc il s'agit de s'organiser pour sauver, je dis bien, l'Algérie. La sauvegarde de l'Algérie dépend de l'union de toutes les forces saines de la nation, politique et sociale, à commencer par le politique, qui sera par la suite suivi par la classe sociale, les syndicats. Une fois que le politique a convergé, il n'y aura pas d'entrave à nous les syndicalistes. Vu la configuration politique dont tous les syndicats sont représentés à l'intérieur, pour éviter bien sûr des accros, une fois qu'il y aura convergence du politique, il y aura aussi convergence des syndicats pour une fois former une force capable de sauver l'Algérie. Restez avec nous, Mziane Marianne. Frate Itali, j'espère que la communication a été rétablie, qu'elle est bonne. Frate Itali. Oui, je suis avec vous. Ah, mleh, on vous entend bien. Alors, Frate Itali, on dit souvent qu'il ne faut jamais désespérer de son peuple, que les peuples ont des ressorts cachés, qui savent se détendre au moment où on les attend le moins. Est-ce que vous seriez de cet avis ? À tous les peuples du monde, on est en ce fameux ressort caché, particulièrement le peuple algérien. Ceci dit, nous n'avons pas de problème, que ce soit au niveau du système, que ce soit au niveau de la société qui, justement,
résiste au système à sa manière, de toute façon, une sorte de résistance passive. Le système aujourd'hui, quoi, c'est tout en turpitude. Lui aussi n'a pas de plan B. Même les éléments plus ou moins sains à l'intérieur du système qui aimeraient faire une réforme pour éviter justement la confrontation avec la société n'ont pas de plan B parce que le plan A, qui a fonctionné depuis pratiquement 56 ans, empêche le plan B. Et eux, ils ont peur de la société aussi, qu'elle ne parte en Java, qu'elle ne parte en dérapage parce qu'elle n'a pas ce fameux plan B. Le plan B, c'est quoi? C'est un projet de société qui tient la route et qui soit consensuel et surtout qu'il ne soit pas dangereux pour qui que ce soit, pour tous partis dans la société. C'est aussi un plan avec un agenda, un calendrier précis et des réformes précises à exiger du système, mais aussi les hommes qu'il faut qui vont avec et qui est justement qu'il y ait une certaine crédibilité, qu'ils ne fassent pas passer leur leadership au-dessus des besoins de réformes dont toute la nation a besoin, le système en tête. Le problème en Algérie, c'est que nous avons une élite politique, enfin élite autoproclamée, qui dans chacun décide que c'est lui, le leader ou la maquette. Et en plus, nous avons des idéologies factices, pratiquement, et factuelles, qui prennent le dessus sur la convergence pour un projet de société, un projet qui soit conforme à la norme universelle. Que ce soit au Japon, ou là en Corée, ou là aux États-Unis d'Amérique, ou là tous les pays qui ont avancé, y compris les pays musulmans d'ailleurs, qui m'a la Malaisie, ou là, un projet de société, un demi-société équilibré dans laquelle toutes les catégories sociales et toutes les formes de pensée trouvent leur compte, ce qui n'est pas le cas en Algérie, ce qui n'est pas le cas aussi dans les pays arabes. Et manifestement, la société est beaucoup plus sage que ses élites politiques. Elle pressent que ces élites-là n'ayant pas été capables en 30 ans de produire justement cette convergence, de produire ce consensus dont a besoin justement M. Marianne, par exemple, pour que les syndicats puissent avoir des revendications qui tiennent la route, pour que la société puisse mettre le système face à ses turpitudes, la population, qu'est-ce qu'elle fait? Elle estime que le système est en perte de vitesse, le système n'a pas d'avenir parce qu'il n'a pas de plan alternatif, elle sait que de toute façon, ce n'est pas éternel et qu'il n'ira pas loin. Mais elle ne peut pas engager sa sueur, ses enfants, éventuellement son sang et le sort du pays, dans une querelle avec un régime qui, justement, il est formaté pour gérer tous les antagonismes par la violence et la combine, en ayant peur, justement, qu'après ces sacrifices, et après ce qui s'est passé déjà, parce que ce n'est pas la première fois qu'on se fait avoir, la classe politique ne soit pas à la hauteur. Mais tout le monde se pointe comme la première. Farhat Aitali, comment expliquez-vous justement que le fer de lance naturel de la société, la force la plus naturellement structurée, organisée, qui est l'université, qui est l'élite par excellence du pays, comment expliquez-vous cette absence totale de l'université algérienne dans une telle situation ? Où elle devrait émerger plus que toutes les autres forces en présence, du moins sur le plan de l'expression politique, de la contestation d'un régime vampire mortifère. Dans tous les pays où l'université a joué justement un rôle politique majeur, c'est des pays où l'université pratiquement a formé des élites qui convergent sur 90% des visions. Vision de l'avenir du pays, vision de la société. Il n'y avait pas beaucoup de clivage idéologique dans les universités. Le régime a réussi, après justement les querelles qu'il a eues durant les années 70 et 80, avec trois grands courants majeurs. À l'université, les trois grands courants majeurs, c'est le courant de gauche contre lequel il a fait jouer le courant islamiste, le courant islamiste contre lequel il a fait jouer le courant de gauche et le courant identitaire, et le courant identitaire contre lequel il a fait jouer les trois. Mais à un moment donné, ces trois courants-là ont convergé dans la rue pour essayer de déstabiliser, mais n'ont pas convergé dans la suite. Et on connaît tout ce qui s'est fait. Aujourd'hui, le système s'est débrouillé pour que toutes les universités européennes soient plus ou moins habitées par tous les courants antagoniques de la société, de manière à ce qu'aucune université ne soit capable de se mobiliser en tant qu'université, en tant qu'élite intellectuelle.
Il y a des mobilisations, mais elles sont idéologiquement orientées. L'université de Tizi Ouzou ne se mobilisera pas pour la même chose, par exemple, l'université d'Achéoula de Fayadoula. Alger, c'est un peu pire, parce que dans la même université, on trouve des courants qui se mobilisent contre eux-mêmes, et pas contre le système. On l'a vu dans le mouvement des médecins résidents, où des représentants ont clairement signalé, insisté que leur mouvement était un mouvement socio-professionnel et qu'en aucun cas il n'était politique. Ils l'ont bien... Ils ont dit ça, et quelque part, moi, je ne contredirai pas parce qu'ils n'avaient pas peur de politiser leur mouvement, parce que toute contestation est de sens politique. J'ai peur que la politique ne prenne le dessus, je parle de politique politicienne, pas de politique au sens général du terme, ne prenne le dessus sur leurs revendications et qu'elles soient chevauchées justement par des courants qui n'ont pas pour but de les aider, mais pour but de faire passer un autre agenda. On a terrorisé les Algériens en leur mettant en tête que chaque contestation, à chaque niveau que ce soit, si elle est prise en charge par des politiques, c'est dans le but, justement, de la dévoyer et de s'en servir. Donc l'Algérien, aujourd'hui, il est convaincu que ces contestations et ces luttes ne doivent en aucun cas être prises en charge par les politiques. Et bien aussi les politiques qui ont joué le beau rôle pour confirmer cette thèse. Beaucoup de partis politiques. Oui. Et restez avec nous, Vrata et Ali. Karim Tabou, Farhat Etali vient de nous dire une thèse vraiment intéressante, que le régime a réussi à en quelque sorte contrecarrer le processus naturel de trois courants qui étaient naturellement contestataires d'un tel régime, à savoir le courant islamiste, le courant de gauche et le courant identitaire, de façon à ce qu'ils n'évoluent pas dans le même sens, voire même à ce qu'ils s'affrontent, voire même à ce qu'ils s'auto-neutralisent. Oui, et je disais que le système politique a utilisé la violence, les faits, d'empêcher la société, avant même d'arriver à la formulation des idées, des programmes sous forme de courant, il empêche tout simplement la société d'exercer les choses les plus élémentaires de la vie. Personnellement, je ne pense pas que dans la classe politique se pose la question de leadership. Ça serait tout simplement céder à une des formules médiatiques qu'on a collées à la classe politique algérienne gratuitement. La réalité est que si c'était cela le problème, on aurait considéré que la situation n'était pas aussi grave. Ce pays souffre d'une classe politique qui n'a pas d'autonomie de décision, qui n'est pas réelle, qui n'a pas émané des luttes de la société, qui n'est pas représentative. Aujourd'hui, ce qui fait office de classe politique, ce sont des partis qui ont un agrément et qui sont là, qui participent aux élections. Et à l'épreuve des activités politiques, sociales, des crises que vit le pays, on a bien vu que, entre parenthèses, ce qui fait office de classe politique a sacrifié le stratégique pour le tactique, pour des ancrages institutionnels, etc. Donc, je ne pense pas qu'il se pose un problème de leadership. Il se pose un problème d'autonomie, d'indépendance de ce qui fait office de parti politique, du pouvoir lui-même. En fait, le pouvoir a non seulement réussi à se passer, donc à maîtriser tous les leviers de la finance, des institutions, des collectivités locales à tous les niveaux. Il laisse peu d'espace en tout cas. Et il a poussé à l'extrême jusqu'à se tailler une classe politique, à se tailler un milieu médiatique à sa guise, à sa mesure. Au même titre que ces institutions de façade avec lesquelles ils trompent les opinions publiques internationales, ces partis politiques seraient là pour le cautionner, ce serait du participationnisme.
si jamais c'est la même logique, vous allez à l'université, on a eu quand même quelques petites traditions, même si c'est très dispersé, c'est mal, c'est désorganisé, mais l'université quand même a joué un rôle. Mais alors, que le pouvoir avait compris que cet espace pouvait être le lieu et où il va se développer une conscience, une activité, etc., il a vite mis en place un système par lequel il a tout simplement effacé, fermé le débat dans l'université. C'est valable dans tous les espaces. Et aujourd'hui, dans la classe politique, croire qu'il s'agit de mettre des formules en disant voilà, la classe politique, elle va se réunir, elle va signer un contrat et ça va marcher, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il y a dans la société des ressorts réels de contestation, de refus. En tout cas, une majorité des Algériens ne sont pas d'accord avec ce qui leur arrive avec l'état du pays. Il y a trois évolutions possibles. Soit c'est le pouvoir qui se meurt par lui-même et qui aboutit à une crise majeure. Soit ce sera tout simplement des logiques extérieures qui vont pousser ce pays dans une voie. Soit malheureusement des révoltes qui vont être des révoltes pas organisées, mais qui peuvent aboutir à des situations difficiles. En tout cas, les trois possibilités peuvent se produire en même moment, une peut nourrir l'autre, mais dans tous les cas de figure, il faut retenir que la violence dans ce pays, son volume, sa durée, ses formes, a fini par prendre le dessus sur la vie du pays, sur la vie institutionnelle et sur la vie Et restez avec nous, Karim Tabou. Marianne, parmi les leviers qu'ils ont utilisés pour maintenir la société civile et la société d'une façon générale dans cette léthargie, dans cette sidération, dans cette fascination, dans ce silence, dans cette anesthésie, le régime utilise souvent la menace d'un retour au terrorisme, menaçant les gens, leur dire « Ah, vous voyez, maintenant vous avez la paix, si jamais vous bougez, vous risquez de replonger dans le terrorisme, et pire, vous risquez la syrianisation », leur dit-il. Mziane Marianne. Oui. Est-ce que d'après vous, ce moyen pour assoupir les foules, les calmer, les réduire au silence, les foules, j'entends la société. Tout à fait exact ce que vous dites. À un certain moment, on n'a jamais vu à la télévision algérienne des atrocités des années noires. On les a montrées à un certain moment, à la chute du baril, du pétrole, où on parlait de la planche à billets. On a essayé de faire peur d'une façon dramatique aux Algériens en montrant vraiment des atrocités à la télévision. Donc, ils utilisent la peur pour l'atomiser, pour qu'il ne bouge pas. Autre chose aussi, si vous permettez, il impose aussi à nous, les syndicats, on nous a imposé un corporatisme pour éviter un mouvement large. Et aux politiques, si j'ose dire, on a aussi imposé une politique partisane aiguë. Pourquoi on ne cherche pas, je parle de nos politiques, un dénominateur commun pour chaque objectif éclairé, chercher un consensus le plus large et puis avancer par consensus, par recherche de ce que je viens de dire, Maka Mouchtarouk, objectif, dénominateur commun. Qu'est-ce qui empêche aussi? Parce que le peuple a besoin de guides, le peuple a besoin d'éveil. Lorsqu'il y a un guide devant ce peuple, je pense que beaucoup de problèmes seront résolus. Malheureusement, il y a une similitude avec le temps du régime unique, où le fameux article 120 faisait des ravages. Pour bénéficier des avantages de l'époque, il faut être du FLN. Maintenant, la similitude, ce que l'on constate, pour plaire, et heureusement que ce n'est pas tout le monde, pour plaire, pour bénéficier des avantages, il faut plaire ou à la rigueur se taire pour bénéficier de ces avantages. Donc il s'agit de renverser l'équation. Il s'agit de dépasser le politique partisan et le corporatisme en ce qui nous concerne
pour aller de l'avant, poser les véritables problèmes de notre société et l'avenir de notre nation. Une fois la thématique est bien connue, un conclave qui va ramasser, qui va rassembler toutes les forces vives de la nation et aller par consensus, étape par étape, peut-être qu'on s'en sortira. S'il y a empêchement, la question mérite d'être posée, comme il l'a dit M. Naïtali. Y a-t-il un problème de leadership? Qu'est-ce qui empêche l'émergence d'un leader pour un objectif bien déterminé? Il y a des élections, il y a des échéances électorales. Pourquoi il n'y a pas d'union de nos démocrates? Pourquoi il n'y a pas des listes communes pour essayer d'avoir une majorité à l'Assemblée et renverser le régime d'une façon vraiment politique, calme et saine, sans qu'il y ait de grabuge, sans qu'il y ait de mort dans les rues? Restez avec nous, Mme Marianne. Je fais un dernier tour de micro. Je poserai la même question à mes trois invités. Karim Tabou, alors, est-ce que vous croyez que la situation... D'abord, je tiens à préciser que tout à l'heure, quand j'ai prononcé le mot « foule », c'est un vocable que j'ai emprunté au discours du régime, le « réchi », comme ils disent, eux. Est-ce que vous croyez qu'il est possible que demain, la société peut se réveiller, peut s'organiser, peut mener la lutte d'une façon paisible, non pas dans des jacqueries, dans des émeutes pour casser les poteaux et les mairies, mais porter une vraie contestation politique pour un vrai changement politique, pour que la volonté populaire soit, pour que la volonté du peuple puisse s'exprimer réellement. Est-ce que vous pensez que cela est possible, Karim Tabou? Oui, je pense qu'il est possible. Il y a des conditions, bien sûr. Les luttes, ils sont réelles, ils sont là dans la société. Même si ils n'arrivent pas à s'organiser du volume et de nature à avoir le poids qu'il faut et à renverser les rapports de force, mais la réalité de la société est qu'il n'accepte pas la situation qu'il vit. Il n'accepte pas ces scandales, il n'accepte pas ces injustices, il n'accepte pas cette violence. Quant à la possibilité que tout ce mouvement puisse mûrir pour être porté par une classe politique, je pense que la classe politique actuelle est tout simplement incapable de porter ses aspirations. Et ce sont des luttes qui vont se dérouler dans la société, c'est des débats qui vont avoir lieu dans la société, c'est ces contradictions dans la société qui vont à coup sûr faire émerger une nouvelle élite politique, une nouvelle logique politique, une nouvelle pratique politique. Et c'est ça, je pense, personnellement, l'avenir de ce pays. De là à penser qu'il est possible de trouver une formule quelconque avec une classe politique qui, en tout cas, on a eu l'expérience, si on ne mesure ça que sur le plan électoral, la dernière élection, toute la classe politique a participé et le peuple n'a pas participé. Je pense que il n'y a pas à faire un dessin. La réalité est que la société a besoin aujourd'hui de secréter par elle-même une élite politique qui soit capable de porter ses revendications et sur laquelle il va poser toute sa confiance. Karim Tabou, restez avec nous. Farhat Aitali, même question. Est-il possible que demain, une contestation se lève, qu'une synergie puisse se réaliser entre de vraies forces vives pour chasser ce régime, pour faire en sorte que le peuple puisse choisir ses représentants? Il pourrait éventuellement même y avoir une force alternative qui émergera du néant. Il ne faut pas tabler sur l'existant. En 1952, la classe politique existante était plus ou moins sophistiquée ou sous contrôle des forces coloniales, mais bon, ils ont tellement surveillé cette classe politique, phagocytée et neutralisée cette fameuse classe, qu'ils n'ont pas vu venir, qui n'était pas prévu dans leur agenda et dans leur tablette. Vous savez, quand les peuples arrivent à une certaine limite de rupture, ils émergent de leur sein, de leur propre sein, de nouvelles initiatives, de nouvelles forces politiques qui, justement, vont fédérer éventuellement la classe politique existante par la force des choses ou par la force du groupe,
ou bien les laminer. Celles qui ne pourront pas se fédérer seront directement laminées par le courant de l'histoire. Et c'est une loi de la nature, c'est une loi de l'histoire, que quand une classe politique n'arrive pas à s'adapter aux besoins de la société, tout le monde arrive à se créter en leur sein et de leur propre pensée politique, quand même, c'est des accumulations de millénaires. De quoi affronter justement les événements quand ils se présentent. Oui, mais Farhat Aitali, est-ce que ce changement tant espéré pourrait surgir d'une volonté ramassée de vraies forces qui pourraient émerger, ou est-ce qu'elle pourrait être la conséquence des turpitudes du régime lui-même qui va tellement exagérer qu'il va provoquer un éveil, une réaction en chaîne? De toute façon, même pour n'importe quel principe, même pour le colonialisme, c'est ses propres turpitudes qui ont accéléré le passage à la violence, le passage à des solutions radicales et de la non-discussion. Mais là, nous n'avons pas affaire à un colonisateur, nous avons affaire à nos propres frères qui ont senti à un moment donné qu'ils ont acquis tous les droits parce qu'ils ont laminé la classe politique existante. C'est là justement que les exagérations risquent de déboucher sur exactement le contraire de leur prévision. Ça risque de faire très mal au départ, mais ça remettra les pendules à l'heure. Et même au sein du système, tout le monde n'est pas impliqué dans cette vision stérilisante et dans cette vision prédatrice du monde. Les nouvelles générations, ce qu'on pourrait appeler le deuxième collège de cadres, se sont lui-même piégés dans les turpitudes et les combines des aînés et de leur clientèle complète au passage. Si dans la société, il émerge un courant qui aspirant à quelque chose de mieux, et il ne faut pas se dire que nous aurons comme en Syrie un système homogène, sectaire, ou je ne sais pas, qui se base sur un courant religieux quelconque, ou je ne sais pas quoi, mais nous aurons pratiquement deux visions du monde en confrontation, peut-être pacifique, éventuellement violente, mais ce sera deux visions du monde qui seront partagées et dans le système et dans la société. Restez avec nous, Farhat Aitali, jusqu'à la fin de l'émission. Marianne, même question. Est-ce que vous pensez qu'une initiative populaire pourrait émerger d'elle-même, ou est-ce que ce sont les propres turpitudes, les excès de ce régime qui vont finir par provoquer l'irréparable, l'inéluctable, j'allais dire? Oui, l'initiative populaire, oui. Moi, je dirais que l'espoir est permis. Mais il faut être capable aussi de canaliser ces forces populaires, ces forces vives de la nation. À condition, je le dis et je le répète, si toutes les forces politiques sont inutiles, le citoyen, effectivement, peut adhérer. Sinon, l'expérience nous l'a toujours démontré. À chaque fois qu'il y a un mouvement initié par les démocrates, il est infiltré par le pouvoir central, par des islamistes, pour le disloquer. Donc, pour dépasser ce clivage, ce blocage, je crois que toutes les forces vives de la nation doivent s'unir, comme je l'ai dit, pour un objectif bien déterminé, pour accompagner ces forces saines. Sinon, à chaque fois, il y aura des réticences, il y aura une dispersion. Ah, c'est les laïcs qui vont bénéficier. Ah, c'est les islamistes qui vont bénéficier. Et on ne sera jamais unis. Donc, pour contrecarrer ceci, commencez par le commencement. L'union de toutes les forces politiques pour un objectif sain, laissez de côté les problèmes leadership. Écoutez, nos aînés, ils sont bien unis dans le sigle FLN pour venir à bout d'une force militaire de l'OTAN. Ils ont laissé de côté tous leurs problèmes politiques pour dire qu'il y a un objectif bien déterminé, libérer le pays. Là, maintenant, le moment est venu aussi pour sauver l'Algérie. Oui, mais Mziane Marianne, il est incertain, oui. Excusez-moi de vous interrompre. Quand j'entends des gens comme vous, comme Karim Tabou, comme Farhat Aitali, comme certains de nos amis politiciens qui viennent dans le top 3, voire même de certains retraités de l'armée, voire même de certains leaders islamistes, voire même de certains universitaires, malgré le silence des cimetières qui règne dans l'université algérienne. Je me dis, mais nous avons des forces vives réellement. Nous avons des gens intègres. Nous avons des gens intelligents, capables du meilleur. Comment se fait-il qu'ils n'aient pas pu, à eux tous, provoquer, créer une synergie
qui puisse les rassembler dans une même action de salut public, parce que en l'occurrence, il est question de sauver ce pays de la disparition. Nous menaçons de disparaître, de sombrer corps et biens. Alors comment se fait-il que vous, Mesdames, Marianne, et tous nos amis qui parlent comme vous parlez si bien, de façon aussi morale, aussi courageuse, comment se fait-il que vous ne parveniez pas à vous organiser, à vous structurer, à vous rassembler, à vous unir ? Le problème, il est complexe. C'est l'isolement de chacun dans son petit coin. Donc il faut qu'il y ait un déclic. Et j'espère que ce déclic ne va pas se réaliser devant un désastre. J'espère que ce déclic va se réaliser bien avant le désastre. Maintenant, comme je l'avais dit, on a besoin d'un leader. On a besoin d'un guide qui viendra, qui va se sacrifier, de dire « Basta, yajma'a, ya, on doit faire un conclave pour l'Algérie future. » Et là, je pense que tout le monde va marcher, avec bien sûr, comme je l'ai bien dit, avec des étapes. Première étape, on réalise un consensus, un dénominateur commun, c'est comme on fait dans les mathématiques, l'intersection en point, le point commun. Deuxième étape, un autre point commun, je pense qu'on pourra s'en sortir. Encore une fois, on doit agir, mais malheureusement, actuellement, chacun dans ce petit coin, on attend le déclic. Inch'Allah, le déclic va se réaliser bien avant le désastre. Merci, Mesdames, Marianne. Merci, Farhat Aitali. Merci, Karim Tabou. Ne partez pas, mes chers amis. J'ai un petit cadeau à vous faire. Cadeau pas très beau, hein, je m'excuse par avance. Où vous allez voir, par rapport à ce que viennent de nous dire nos amis, par rapport à ce flot d'espoir qui nous ont donné, qui nous ont permis d'entreapercevoir, vous allez voir qu'au sein du régime, c'est un tout autre son de cloche, et vous allez écouter ce monsieur, et vous allez comprendre ce que je veux dire. Moujahid Yahkili, il y a des filets d'Adrar, il dit « Que Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha Muhammad rahmat lil alamin wa ba'atha Abdel Aziz Bouteflika rahmat lil jazir » مجاهد يحكي لي كنت في ولايه اضرار يقول لي قل الله سبحانه وتعالى بعث محمد رحمه للعالمين وبعث عبد العزيز بوتفليقه رحمه للجزائريين